Il est presque 18h ici à Sakhir. Le Grand Prix de Bahreïn va bientôt commencer. Et c'est Lewis Hamilton que l'on retrouve en pole position. Il a survolé les qualifications au volant de sa Mercedes et il devient difficile d'imaginer qui d'autre que lui pourrait s'imposer lors de la course. Le but du jeu sera pour lui de se ménager pendant les premiers tours, mais il sera aussi déterminé à ne pas laisser les autres lui passer devant. S'il arrive à maintenir sa position en début de course, il aura un avantage énorme et pourra prendre le contrôle de la course. Lewis Hamilton a décrit sa victoire de la semaine dernière comme l'une des plus belles de sa carrière. Et avec la grande force de l'écurie Mercedes cette saison, il a tous les outils en main pour remporter d'autres grands prix. On sait bien à quel point Lewis peut être dangereux s'il est dans un bon jour. Il est très critique envers lui-même quand les choses ne tournent pas en sa faveur. Mais dans le cas contraire, il est quasiment imbattable. Alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Donc, eux, leur stratégie, c'est option. Donc, option prime. Nous, ça sera... On part en option pendant les primes et après, on repartira en option. Allez, on est parti. Tu as de grandes chances de décrocher la victoire. Fais-le pour l'équipe. Mais Vettel qui s'est loupé, hein, il a patiné au départ. Je suis mieux parti que lui. Il s'est fait déposer par Rosberg. Et là, je touche Rosberg qui freine très très tôt. Contact aussi entre Rosberg et Vettel. Heureusement, on n'a rien abîmé. Putain, ça a été chaud. Attention avec le poids de la voiture. Donc on s'arrête à la fin du 8e ou 9e tour, d'accord. C'est bien Cyril. J'ai pratiquement bouclé un tour quand j'ai ton information, c'est nickel. Bah moi aussi, ce phénomène, j'ai eu très peur. Mais pour l'instant, je suis un peu en difficulté par rapport au poids de la voiture à cause de l'essence. Allez, je vais me faire une petite touchette avec Raikkonen. Allez, on va se concentrer parce que sinon ça va mal se finir. Devant, Vettel qui attaque Rosberg. J'aurais pas dû regarder le chat, ça m'a déconcentré et du coup j'ai loupé mon virage et là Raikkonen
Allez Cyril, on perd pas l'espoir. Je vais tout donner. Pas perdre le contact avec les ténors. Suivant, vous n'avez que 5 secondes d'écart. Tu as 5 secondes d'avance sur Bota, 5 secondes. Salut Steven, bienvenue sur le live. Ça va encore, mais tu risques de sentir bientôt leur niveau d'usure. Ne te laisse pas surprendre. Hamilton est en tête. Voilà Cyril, au niveau de l'usure des pneus où on en est. Pour l'instant la voiture ça va, elle tient encore. Je ressens pas encore trop de problèmes de survirage. Par contre c'est des problèmes de température de pneus que j'ai.
très vite en température. La fenêtre d'arrêt au stand vient d'ouvrir. Bottas te rattrape d'une seconde au tour. Ok, box au 9ème tour, pas de soucis, et j'ai déjà sélectionné les primes. Ah vache, ça se sent que les pneus commencent à être cuits, là. Ils sont tombés en performance d'un coup là. Je me suis fait surprendre dans le virage à la con, Cyril, je suis désolé. Cyril, l'auto, ça va, comme je viens de te le dire, hein, les pneus sont tombés en performance là d'un seul coup. Et la voiture commence à être compliquée à tenir. Les gommes sont en mauvais état, l'avis général de l'équipe est que tu ne peux plus espérer faire des miracles avec ce train-là. Ta fenêtre d'arrêt au stand va fermer, la fenêtre de ravitaillement ferme dans ce tour. Je vais donner mon max hein, sur ce tour-là, Cyril, mais je te promets rien avec l'usure des pneus, là, c'est compliqué. Thank you.
s'arrêter pour chausser les pneus options. Elle a des pneus options. Thread, il y aura la rediff sur YouTube, effectivement. Mercredi les qualifs, vendredi ou samedi la course, on verra comment on s'organise. Hamilton est premier. Putain, on est tombé à la 9ème place, ça c'est moche. Ouais Cyril, la roue stand s'est bien passée. On est ressorti 9ème. La voiture de derrière roule à pleine charge avec un mélange 3. Il se prépare à attaquer.
entre toi et Massa est d'environ 5 secondes maintenant. Continue à lui mettre la pression. Désolé Cyril. Allez, on va essayer de se refaire. On y va. J'ai des problèmes de température de pneus, Cyril. Je sais pas comment les chauffer, les pneus. Ils refroidissent très très vite. Les options à ton prochain arrêt. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans deux tours. Deux tours. Williams se prépare à recevoir l'un de leurs pilotes. L'équipe attend sur la voie des stands.
Alors je suis dans quelle situation, Cyril? Je suis dans une situation où j'arrive pas à rattraper Ricciardo qui est devant. Les pneus, ils en sont là. Et j'ai des gros problèmes de température, ce qui tombe très vite en température. Mais il surchauffe dans les virages. Ouais, il est possible qu'il y ait eu une coupure dans le live. Hein. J'ai l'impression que j'ai eu un petit souci de réseau. Parce que j'ai entendu mon TeamSpeak, il s'est reconnecté aussi. Ma livebox hein, qui a sauté et qui a redémarré. Fait chier ça. Vous aurez la rediff du Grand Prix dans la semaine. Carburant, j'ai pas une grosse marge. Tu perds 3 secondes au tour sur Bottas, il faut que tu réagisses vite. Salut Rachid Senna, à la prochaine. N'oublie pas de faire un arrêt ce tour-ci. Les pneus tombent d'un seul coup en performance.
je me fais surprendre à tous les freinages. Ouh, Bottas, il est parti au large là. Quelle IA de merde, c'est vraiment une IA de merde. Ça freine n'importe quand, ça. Cette espèce de sauvetage là, j'ai complètement perdu la voiture. Il est vraiment temps de changer les pneus là. J'espère que tu as raison, mais je ne doute pas de ce que tu me dis, Cyril. On va avoir un avantage sur les pneus. Vas-y, mets les gaz. Allez. Plus qu'un seul arrêt, plus qu'un arrêt selon notre stratégie. Rosberg est premier.
vaisseau s'apprête à recevoir l'un de leurs pilotes au stand. On ne sait pas encore de qui il s'agit. Je connais Felipe qui va pas tarder à voir l'aileron arrière de mon Lotus. Je vais essayer, Cyril. Massa fait 5 dixièmes de moins que toi par tour. 5 dixièmes. Selon
Bottas devrait s'arrêter pour changer de pneu dans les 5 prochains tours. Moi non plus j'y crois pas un seul instant que Bottas va se rentrer d'ici la fin de la course. Ça serait vraiment bizarre. Ça va pas trop mal. Si tu sens le moindre problème, préviens-nous. Rosberg est le leader. Ça perd une seconde au tour par rapport à toi. Qui reste environ 10% du niveau de carburant de départ. Bottas prend de l'avance sur toi, il est plus rapide d'une seconde par tour. Il reste à peu près un tour en réserve de carburant. Tu ne vas pas pouvoir continuer avec le mélange 3 encore longtemps, mais certains si tu en as besoin. Je suis pas en mélange 3, je suis en mélange 2. La voiture de derrière n'est plus très loin, il est à 2 secondes de toi. Thank you.
Cyril, je veux bien ne pas forcer, hein, mais il faut quand même que je maintienne l'écart avec Massa derrière qui est en train de remonter. Parce que je suis en train d'avoir des soucis avec la voiture. Les pneus se dégradent très rapidement. Je me suis fait surprendre par le freinage là, ça a bloqué d'un coup. On est très léger à présent, il ne reste que 5% du carburant de départ. Putain, j'espérais faire mieux quand même. Sixième place. Bon, c'est pas si mal, hein. C'est des points. Encore une superbe course de la part de Nico Rosberg, qui voit l'Allemand terminer en première place au volant de sa Mercedes. Après toute cette excitation, une pause s'impose. Merci de nous avoir accompagnés et rendez-vous bientôt pour la prochaine course. Bah voilà, le présentateur a tout dit. Mais bon, avant, on va faire un petit débrief quand même. Donc, Nico Rosberg s'est imposé sur ce Grand Prix devant Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen, qui est 3ème. 4ème, Daniel Ricciardo. 5ème, Valtteri Bottas. Donc, je finis à la 6ème place. Derrière moi, Felipe Massa, Sergio Perez, Fernando Alonso, qui est 9ème. 10ème, Hülkenberg. 11ème, Button. Mon coéquipier, lui, finit à la 12ème place. On retrouve 13ème Felipe Nasser, Marcus Ericsson 14ème qui a pris une pénalité de 5 secondes, Daniel Kvyat 15ème, Stevens 16ème, Mary 17ème, mais où est Hamilton? Il est tout simplement bon dernier, donc avec Sainz aussi et les Toro Rosso qui sont en fin de peloton, Sainz qui a fini à plus d'un tour. Verstappen qui n'a pas terminé et Lewis Hamilton qui n'a pas terminé non plus. On peut s'imaginer qu'il y ait eu des soucis au niveau de la voiture de Verstappen et Hamilton. Ils se sont peut-être accrochés, hein, les deux pilotes. Donc ce qui nous donne au champion du monde des pilotes, Lewis Hamilton toujours premier malgré cette contre-performance, avec un Nico Rosberg qui marque des gros points ici, hein, qui revient à 14 points de son leader. Sébastien Vettel est à 16 points. Après on retrouve un peu plus loin Ricciardo et Bottas qui sont à égalité. Puis encore plus loin, Raikkonen, Kvyat et Massa qui sont à égalité. Sergio Perez à 57 points de retard. Je suis donc remonté à la 10ème place avec 67 points de retard. Devant mon coéquipier, dans ma saison sur F1 2014 avec le mode 2015, mais non, devant les deux McLaren Honda, qui du coup descendent dans le classement. Nico Hülkenberg est 13ème, Verstappen 14ème, 15ème Sainz, 16ème Marcus Ericsson, 17ème Maldonado,
Philippe Nasser 18ème, Steven Semeri qui ferme la marche. Au niveau du champion du monde des constructeurs, eh bien, Mercedes est toujours devant. La Scuderia Ferrari, 3ème Red Bull, 4ème Williams, 5ème Force India, McLaren est 6ème. Lotus du coup remonte un peu dans le classement et est à la 7ème place devant un Toro Rosso, Sauber et Manor. Voilà pour la fin de cette course, pour cette course qui s'est plutôt bien passée. Donc on revoit un peu le départ ici avec Sébastien Vettel qui a complètement patiné et le gros coup de frein qu'il a fallu mettre au premier virage. Donc, du coup ça s'est bien frictionné, en tout cas on a bien cru qu'on allait avoir droit à un bel accrochage. Et puis finalement ça s'est plutôt bien passé. Derrière on a trouvé directement Bottas, les Williams qui étaient tout de suite en embuscade et qui ont commencé à attaquer très tôt. Et puis, devant, donc les deux Mercedes et la Ferrari de Vettel qui ont commencé à tout de suite marquer le pas. Et puis moi qui avais du mal en début de course avec la voiture qui était chargée d'essence pour arriver à tenir le rythme. Donc derrière, forcément, ça mettait un petit peu la pression à Raikkonen qui s'impatientait fortement, qui a tenté à maintes reprises de passer au prix d'une lutte acharnée. Enfin, la lutte, elle a pas duré longtemps, hein, parce que je crois que à la fin du premier tour, il est passé. Voilà, donc on a marqué nos premiers points ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, cela vous aura plu, en tout cas, au niveau de... Non, Marc Magnan, je suis en vitesse manuelle. Donc, au niveau de la... du live, hein, ça vous a plu. Donc là je vais peut-être pas m'arrêter tout de suite de liver, je vais passer sur un autre jeu et donc je sais pas encore sur quoi je vais passer. Alors, je sais pas si vous comptez rester ou si vous allez me quitter. Alors Cyril, merci à toi, merci beaucoup pour tes conseils, ces points c'est les tiens, t'as fait un super boulot, une voiture qui était bien réglée. Et du coup, ça nous a permis de faire un résultat convenable. Et comme tu dis, on a ouvert le compteur et on a enfin démarré la saison dans 15 jours Barcelone. Comment je vois le Grand Prix d'Espagne? Difficile, parce que c'est un circuit que je n'apprécie pas forcément. Il y a une partie qui est... la première partie qui est assez sinueuse, avec le premier virage à droite qui suit par un grand gauche... après la ligne de départ arrivée qui est assez technique. Et après on a un enchaînement de virages assez rapide. Et puis donc on a une épingle après à gauche et c'est là où ça se complique parce qu'on a une chicane qui arrive sur une montée. Puis il y a un virage à droite tout en haut de la montée qui dessert une zone de DRS. Et c'est souvent ici où je suis à la peine et que je perds du temps. Donc j'espère que ça le fera. Et puis il y a surtout la dernière chicane avant d'arriver dans l'entrée des stands qui est aussi délicate où il faut absolument pas monter sur les viewers hein, parce que c'est des vraies marches d'escalier et là on a vite fait de mettre la voiture en travers. Donc bon, écoute, merci The Phenom si la course t'a plu. C'était un bon moment, en tout cas moi ça m'a fait bien plaisir. Et donc, le temps d'une petite pause, hein, parce que j'ai un petit peu soif, et puis on va passer sur autre chose comme jeu. Et je vous dis à tout de suite, et bonne nuit à tous ceux qui vont nous quitter. Et sinon, à tout de suite pour les autres.